Bonjour Carte sur table, bienvenue à la médiathèque Malraux et merci d'être venu ce matin. Vous pouvez vous présenter? Alors, moi, c'est Diane. Moi, je m'appelle Claire Amélie. Annabelle. En fait, on est un jeune trio. Ça fait pas très longtemps qu'on chante ensemble, donc on a d'abord monté notre spectacle. Et effectivement, autour des musiques du monde, des musiques populaires, comme tu disais, des musiques de tous les jours, quoi. Tout ça est à cause d'elle. En fait, moi, ça fait longtemps que je travaille avec Annabelle déjà, et ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec Diane. Donc, ça doit faire, je sais pas, on a monté ça quand l'année dernière à peu près. Donc, ça doit faire 2 ans à peu près que je l'ai. Mais quand est-ce qu'on fait un groupe ensemble? Quand est-ce qu'on fait un groupe ensemble? Et l'envie de Claire, c'était de faire que de la voix. Et des objets sonores, ou des objets détournés, ou... Ouais, et de la percussion sur des tables, sur des... Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le jeu de cartes qui rythme une chanson. Il y a une forme de quiétude, en fait, de sensation de chez soi très agréable qui apparaît. C'était quelque chose que vous vouliez... C'était le hasard de la scénographie. Non, c'est carte sur table, on se veut... On se veut un groupe de com à la maison, quoi. Bon, bah, c'est réussi, c'est exactement l'effet que ça fait. À l'origine, donc Annabelle et toi, vous vous connaissiez, vous avez déjà travaillé ensemble? On a déjà travaillé ensemble, on travaille encore ensemble maintenant sur d'autres projets. Enfin, je me souviens qu'on s'est regardé en disant « Ah ouais, super, on va faire un truc ensemble !» Et on a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai choisi un CD de Amsterdam Klezmer Band qui s'appelle Zaraza. Je le connais pas celui-là, mais j'aime beaucoup ce groupe. Oui, parce que si j'allais sur une île déserte, eh ben, je serais bien contente d'avoir de la musique quand même de temps en temps. Bon, je préférerais quand même avoir un vrai instrument plutôt qu'un CD, mais quitte à choisir, voilà. Alors moi j'ai choisi Sean O'Reilly, je sais pas si on le dit comme ça. C'est un des premiers CD que j'ai entendu à la maison chez mes parents, de musique, je dirais, traditionnelle populaire, irlandaise. C'est un peu le monsieur qui a redécouvert un peu cette musique et qui l'a fait découvrir au grand public. Et j'adorais cette musique quand j'étais petite et je demandais tout le temps qu'on écoute ce CD. Donc merci maman. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire cette musique beaucoup plus tard, des années après. Voilà. Ok, alors moi j'ai choisi Django Reinhardt et 4 CD. Du coup, Île déserte, je dirais beaucoup de temps. Voilà, du coup j'en connais pas plein. Je joue cette musique avec mon groupe de swing. Donc, Django c'était aussi chez mes parents. Ça me fait du bien de l'écouter. Alors je me suis dit, quitte à se sentir bien, autant choisir lui. Voilà. Les prochaines dates pour Carte sur table? Alors on va jouer le 10 janvier au Camionneur. Et on jouera certainement aussi en janvier chez un ami à moi qui organise des concerts d'appartement. Voilà. C'est encore à Strasbourg. C'est encore à organiser. Voilà. Et évidemment, on cherche des dates pour la suite. Donc... Voilà, c'est ça qu'il faut dire. La bonne entendeur, salut. C'est la première chanson qu'on a chantée ensemble. C'est de qui? Caetano Veloso. Et c'est une chanson qu'il a écrite pour son fils, qui veut dire le petit lion. Il aime le voir rentrer dans la mer, s'ébrouer avec sa crinière et tout. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração eu sou. Basta eu.
Basta encontrar você no caminho.